Bonjour à tous, jeudi soir, 20h sur Gaming TV. J'avais annoncé qu'il n'y aurait pas de meurs passant en pif. Et bien finalement je vais quand même vous en préparer hein. Je ne serai pas là sur le plateau de Gaming TV pour vous tourner ce meurs passant en pif. Mais je vais tourner un meurs passant en pif en VOD depuis chez moi. Et comme je suis depuis chez moi, je vais faire ce que je veux. Et il y a un thème évidemment qui est à aborder en ce moment puisqu'il est d'actualité. C'est les Jeux Olympiques. Et sachez que, eh bien, les salles d'arcade au Japon ont leurs Jeux Olympiques des jeux Capcom. Ça s'appelle les Capcom Olympics, All Capcom Olympics. Et ce sont, eh bien, un tournoi qui dure une semaine à la salle Game Macho et qui réunit la plupart des jeux Capcom. Vampire Savior, Marvel vs Capcom 2, Jojo, Street Fighter 4, Street Fighter 3, Street Fighter 2X, Street Fighter 03, Street Fighter EX 2+, Fate Stay Night, Tatsunoko vs Capcom. Voilà, je pourrais vous en citer des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et je vais vous proposer, eh bien, un petit florilège, un petit melting pot de tous ces jeux-là en vous faisant une sélection de chaque jeu. Donc il y aura dans ce mort passant ton pif du 2X, du 03, du Street Fighter EX 2 plus, qui est à mon avis l'ancêtre de Street Fighter 4, qui est un jeu que je recommande à tous pour apprendre à jouer à Street Fighter. Vraiment très très bon jeu. Il y aura qu'est-ce que j'avais décidé de mettre aussi comme jeu à l'affiche. Peut-être un peu de Rainbow Edition, la version totalement hackée et craquée de Street Fighter 2. Voilà, il y aura tout un tas de jeux. Je vous préparerai un petit melting pot. J'aurai pas tout le temps de faire de toute façon en 1h50. Mais il y aura quand même quelque chose. Le match que vous êtes en train de regarder actuellement dans cette vidéo bonus, c'est un match qui oppose Agaijin face à Ai Ai, la jury, dans un match-up difficile. Mais Agaijin qui est un personnage, un joueur de Zangief parmi les meilleurs Gief du Japon. Bleu slip, hein, slip surfer, façon Cantona. C'est réellement un Cantona dans le style, mais un Cantona peut-être un peu moins mis en avant, avec probablement l'un des Gief les plus à la fois patient, actif. C'est réellement un mec ultra cool. Et regardez, c'est 360 en témoigne bien. Le petit dash avant pour se rapprocher. Dash avant pour se rapprocher pour setup la main verte qui aurait été cancellable parce qu'il avait eu les deux barres. Très bon setup sur la relevée. Garantie le chip damage en plus. Et la victoire d'Agaijin qui est bonne et qui doit surfer évidemment entre les... Oi, 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 incessant. Ouh, la focus level 3 dans le Farashka. Là, il n'avait pas prévu ceci, mais il a quand même réussi à mettre Farashka. Farashka, bah MP, c'est le medium kick hein, qui contrôle l'espace avec Jury. Et là encore, le medium kick pour faire whiffer le saut moyen point d'Agaijin. Et instant overhead avec le saut arrière. Medium punch immédiatement cancellé par X dive kick et jogger avec XM pusha. Il est bien, bah MP confirmé. Il a pas cancellé celui-là, il aurait peut-être pu faire quelque chose. Mais là Agaijin il est très 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 en retard. Il va se faire défoncer. Pour retrouver l'intégralité de ce match, je vous conseille d'aller directement sur le channel de Black Vegeta, que je vous avais déjà conseillé la semaine dernière dans le teaser dernier. C'est vrai que je vais pêcher pas mal de coups. Oh, c'était un gros pied d'entrée, la main verte avec la barre. Oh, la barre en moins de 10 secondes de jeu. Il a perdu 60% de sa barre sur un main game sur l'ouverture. Et une focus, eh bien, mal protégée. Et ça, ça donne énormément d'avantages parce qu'évidemment dans ce match-up, Zangief, oh là là là, la focus dash avant dans le Fuajin, immédiatement le 360, place sa main verte. Et là, il y a main game ou pas? Il y a main game, c'est dans la garde. Et voilà. Allez, Ouria, Ouria, double Russian suplex, Russian Otameni. Et oui, on est totalement dans le ton, hein. Je voulais vous parler des Capcom Olympics Games. Je vous parle évidemment du personnage russe pour rendre hommage évidemment aux Jeux Olympiques de Sochi. C'est... On est dans le ton. Là, je pense que, Ken Bogard, j'ai été totalement dans... J'ai centré, j'ai bien centré ce marpas en tant pif. Complètement mis. Donc, il sera réalisé d'ici... Probablement avec ce layout ou un autre layout, ça dépend un peu des jeux. Bon, comme je vais vous proposer des jeux peut-être un peu plus rétro dans ce meurs passant en pif, je passerai sûrement à un autre style d'affichage. Mais on aura de quoi de toute façon se faire plaisir. Et là, il a tout, hein, Agaijin, il a tout pour remporter ce match-là. J'aimerais bien peut-être laisser, laisser quelques matchs entre les deux joueurs, au moins 3 pour cette vidéo bonus qui comptera de toute façon. Comme bah, la vidéo de Street Fighter 4 de la semaine 3, il se fait casser par Farashka. Farashka, il est bien, il est bien, il est bien. Le son gros point qui est bon avec cette série de balai kick, il décale la balayette pour remettre dedans avec cette jump qui est bon. Il prend XM Pusha dans la garde, obligeant à utiliser eh bien 3 barres. Et vous avez vu hein, sur
les Fuajin moyen mid, il fait bas moyen pied pour passer en dessous, et sur les lots, eh bien il saute, sachant que c'est la meilleure façon de progresser, et on voit ici que Aya il recule. Alors évidemment il faut qu'il fasse super attention avec Dai Kick. Cette main verte était un tout petit peu hasardeuse. Le Blue Surfer qui se fait prendre donc le deuxième round, mais qui a vraiment une puissance affolante, hein. Joue l'Ultra 2, permet de casser le jeu un peu volatile de Jury, qui est finalement assez bon, même si bon l'Ultra est sympathique, mais sur les persos qu'on peut difficilement approcher. Voilà, saut vertical, c'est une erreur, puni par la balette directement. Titro, il est bon, avec ce 360 qui a fait des dégâts encore une fois. Dégueulasse. Et le Sana Kick extra inverte qui empêchait ça. Ouais, très bien joué. Contre Ex, mon partenaire minceur, pour s'enfuir du coin. Et la fuite des cerveaux. La fuite des cerveaux. Oh là là, aïe aïe, il y a un jeu de Fuajin absolument hallucinant, hein, quand même. Très difficile à anticiper. Vous avez eu le Baptiste qui passe pas en dessous du Fuajin gros pied, encore une fois. On se rapproche avec un normal et le 360 à distance. Oh là 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 là. Et une situation compliquée, bien arrêtée. Fuajin cancel avec le bon moyen point, ça me pousse, mais ça n'a pas fait tant de dégâts que ça. Et il se retrouve dans une situation où il doit absolument zoner maintenant. Il est quand même à une touche de la mort, hein. L'ex-main verte est bonne, elle a touché, il peut mixer derrière. Aïe, 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 aïe. Malgré tout le mix-up, le match-up l'a rattrapé, il n'a pas pu faire assez de dégâts. C'est un peu le problème peut-être de ne pas pouvoir confirmer et comboter derrière cette main verte. Chose qui sera rendue possible par Ultra Street Fighter 4, il me semble. On pourrait comboter après une main verte focus dash cancel, ce qui ouvre des perspectives un peu plus intéressantes de combo pour Zangief. Constitue peut-être un des ups de Gief avec cette main verte. C'est bizarre, qui a pas mal changé quand même. Allez, très bonne balayette ici avec le saut gros. Aïe aïe aïe, il a pris close HP. Et le XM pushant juggle, ça c'est pas très safe, hein. La balayette Arnold knockdown, il a préféré ça. Voilà l'Ariat sur la tentative d'insult overhead. Ouh, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon du tout, mais il a complètement raté sa punition dans la panique. L'Ariat, on saute pas sur le gros, même avec ce gros point. Fais pas ça, reste dans le coin. Là, il a vu Ultra 2 complètement gratuitement sur cette fuite en arrière. Ultra 2 là, non. Ça sera une dive kick en plein dans les dents. Et évidemment, il peut se foutre de sa gueule, ça rigole pas mal. C'est sûr qu'on peut rigoler, hein. C'est facile de rigoler, hein. Bon, il faut bien le tenir quand même, le Zangief, mais le match-up est réellement, réellement pas évident. Et regardez comment il pousse patiemment. Un saut bas gros point l'aurait sauvé, mais l'intelligence de dasher en avant, aïe aïe, pour passer sous le saut gros point, ou n'importe quel saut, puisqu'il y aurait que le saut bas gros point, hein, qui aurait causé réellement, voilà. Et du coup, maintenant il mixe, il fait saut bas petit pied pour éviter le dash avant. C'est bien joué, hein. Gaijin qui s'adapte vraiment très très bien. Belle baillette en whiff punish, et là il est sous pression. Empty jump, et le double Russian suplex, c'est terminé, terminé. Hey, 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 oh, il a arrêté son combo, mais la main verte passe quand même dans le bourrage de backdash. Alors vous avez vu ici le mind game sur la revêt, cet Okizem d'Agejin qui fait tout pour indiquer le saut bas gros point cross up, et qui en fait fait saut gros point à un coup qui va, eh bien, créer l'illusion du cross up. Oh là 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 là, Fuajin chopé à telle distance, c'est tellement sale. Bien joué, là il kick X main verte, normalement il a pris XM push à cancel avec encore combo Sam push à. Vous avez vu, il a perdu les mêmes dégâts, et d'un point de vue de la barre de super, et eh bien Agejin il est complètement hop après ça, ce qui est assez bon. C'est un HK évidemment entier sur le saut vertical. On fait les Fuajin. Les Fuajin sont là pour obliger votre adversaire à bouger. Bempe, tu sautes pas. Bempe, tu sautes pas. Et là, il cherche cette solution parce qu'il peut pas sauter. L'ex-main verte à bonne distance. Mais là, le 360 était un tout petit peu optimisé. Vous voyez, main verte dans le vent. Il aurait eu pu mettre, à mon avis, un 720 s'il avait choisi l'Ultra 1 à ce moment-là. Là, il continue de se faire zoner et ça pue le 3-0. À moins qu'il y ait un miracle d'Ultra qui soit passé à un moment ou à un autre. Ça pue complètement le 3-0. Il essaye de temporiser et d'avoir le maximum de barres de super pour pouvoir canceller. Eh bien, le maximum de main verte. Parce que là, il est obligé d'attaquer Alex. Main verte cancel. Il le sait. Oh, il a encore pris Farg Medium Kick. Il peut absolument pas sauter. Le zoning est parfait. Le match-up est tellement dégueulasse. Il n'y a rien à faire. Continue de se faire gratter au Fuajin. Alex main verte, ça touche les boules points. Alex main verte dans les airs. Et là, il y a main game. Il n'y a pas main game aussi. Il y a main game, le 360 qui est pris. Et la mise au sol qui est confirmée. Avec le contre-K qui permet d'éviter, malheureusement, le stand like Kiki X-Main Verte OS sur la relève. L'option select d'X-Main Verte buffé dans ce stand like Kick qui était fatal à Agejin qui prend 3-0. Un match-up compliqué, mais Agejin a quand même montré pas mal de solutions. Voilà, rendez-vous donc jeudi à 20h sur Gaming TV. On sera pas en direct du placard, on sera en direct de mon placard à moi, hein.
Et ce sera donc en différé, mais c'est quand même eh bien, une grosse occasion pour vous de mater en avant-première le dernier Meurs pas sans ton pif. Ça sera l'épisode 20. Merci à tous d'avoir suivi cette VOD et je vous donne rendez-vous donc jeudi prochain pour les Capcom Olympics.